Oh bah c'est Benoît Hamon qui a gagné, dis donc, 36%. Ah ouais. Et Valsivi, il est deuxième, 31%. Ah très bien. Ah ouais, non, parce que le suspense de la semaine, c'était ça, entre Montebourg, Valls et Hamon, lequel allait être éliminé. C'était le suspense, quoi. Ah bah tu penses. Voilà, et là c'est le deuxième tour. Hamon-Valls, alors là, franchement, c'est l'affiche rêvée, c'est le choc. À mort, à mort. J'étais dans la rue tout à l'heure pour acheter du pain, mais je l'ai vu, mais c'est la folie, les gens sont fous, ils se battent dans la rue, ils se tapent dessus pour leur champion, mais c'est complètement dingue, on se croirait à Alep. Mais ça t'intéresse pas ce que je dis. Si, si, très souvent, tu es quelqu'un de passionnant, de très cultivé même. Ah. Sauf quand tu parles des primaires de la gauche, tout à coup ça devient abyssalement ennuyeux. À côté, la vie d'un poisson rouge, c'est Game of Thrones. À côté, la vie d'une poule, c'est 50 nuances de grès. À côté... Oui, merci, j'ai compris, c'est bon. Mais je comprends pas comment t'as pu aller voter pour ce truc-là, sans enjeu. Mais ben on appelle ça le sens civique, hein. Moi qui suis prof d'histoire, je peux te dire qu'il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de vote. Et oui, on sait, Jean Jaurès, Jean Moulin, Jean-Pierre Madère, tout ça. Mais bon, avoue là que quand même, c'est un peu... Mais dis donc, toi... Mais t'es pas sorti aujourd'hui, t'es resté en peignoir toute la journée. On a fait une bonne paye, t'as regardé 2 épisodes de Star Wars... T'es pas sorti. Moi aussi. Quand? Après le, juste après. Il y avait une intersection quand je suis allé promener le chien. Mais on n'a pas de chien. Eh ben on devrait. Parce qu'à cause de lui, j'ai pas pu aller voter aux primaires.